Imaginons que vous ayez, comme c'est le cas ici en haut à gauche, une liste de clients et un nombre de factures pour chacun de ces clients. Et que vous vouliez passer de ces 8 cellules-là, 4 lignes et 2 colonnes, à ces lignes-là. Donc là, il y en a une quinzaine, 2 plus 6, 8, 11, 16. Il y a 16 lignes qui correspondent à un étirement du nombre de lignes par rapport au nombre de factures pour chaque client. Donc ici, pour le client A, on a bien deux lignes avec les factures 1 et 2. Pour le client B, on a six lignes avec les factures qui vont jusqu'à la sixième. Et puis pareil avec les clients C. Client C, trois lignes, trois factures. Et client D, cinq lignes, cinq factures. Donc imaginons que vous vouliez faire ça pour plein de raisons. Pas du tout forcément lié à des clients et des factures. Ce n'est pas forcément le meilleur cas. Mais si vous voulez faire ça, je vais vous montrer une méthode qui va prendre quelques caractères, qui va utiliser quand même beaucoup les nouvelles fonctions qui sont disponibles depuis 2021 ou depuis 2022. Et du coup, je vais supprimer ce qu'il y a ici, je vais supprimer ce qu'il y a là, parce que j'aurais besoin d'utiliser des formules propagées. Je vais faire ça tranquillement en détaillant chaque étape. Premier truc que je fais, c'est que comme je vais m'attaquer à un truc un peu complexe, je vais créer une formule let, une fonction let, qui va me permettre de stocker des données, de stocker des variables. Donc je vais dire tout ça, c'est égal à, pardon, l'inverse, tout ça, c'est égal à A. Et donc là, si je mets A, à chaque fois que j'appelle A, il va me sortir la liste des cellules de B5 à C8. Donc là, si je lui dis que A, c'est le nombre val de A, il va me dire qu'il y a 8 valeurs. Et si je lui dis, par exemple, ligne de A, il va me dire qu'il y a 4 lignes. Donc, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est lui dire, bah, je vais aussi récupérer seulement ce qu'il y a dans la deuxième colonne. Donc, je vais faire B, c'est égal à prendre dans A, rien à voir avec les lignes, je prends toutes les lignes, mais je prends uniquement la dernière colonne, et pour prendre la dernière colonne, je vais faire moins 1. Il me dit qu'il manque quelque chose, il faut que je rentre un argument de plus. Donc je lui dis maintenant, ce que je veux afficher, c'est B. Donc il me prend la dernière colonne. Si j'avais fait pas 1, mais pas moins 1, mais 1, il m'aurait dit la première colonne. Donc là, ça me donne juste des paramètres que je vais utiliser après. Donc là, imaginons que je veuille avoir la somme de B. Somme de B, B et hop, somme de B, il me dit que ça fait 16 en tout. Et si je voulais savoir d'autres choses, le max de B par exemple, ce serait juste max de B. Il me dit que c'est 6 le max de B. Et si évidemment ici il n'y a pas 6 mais 8, bah c'est 8 maintenant. Donc là, j'ai créé quelque chose qui est plutôt facile à manipuler et je vais, à partir de ça, créer un nouveau truc. Donc je vais l'appeler C. Et mon C, ça va être un makeArray, donc une fonction qui va permettre de créer un tableau. C'est l'une des manières de faire. Moi, c'est celle que j'aime bien, celle que j'ai choisie en tout cas. Et du coup, je vais lui dire que à la fin, je voudrais afficher C. Donc, makeArray, c'est une fonction dans laquelle on lui dit de créer un tableau à partir d'un nombre de lignes, un nombre de colonnes. Et mon nombre de lignes, bah, ça va être 4, mais je vais faire mieux après. Et mon nombre de colonnes, ça va être par exemple 2. Et puis ici, je vais lire lambda de ligne, colonne. Et je vais écrire simplement test à chaque fois. Je fais ça, vous allez voir, c'est écrit sur 4 lignes et 2 colonnes, c'est écrit test partout. Donc évidemment, ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, 4, je voudrais que le nombre de lignes soit égal au nombre de lignes qu'il y a déjà là. Donc je vais faire ligne de A. Et donc si jamais ici j'avais une ligne de plus, ça l'afficherait. Et mon nombre de colonnes, bah, je vais vouloir que ce soit égal au max de B. Donc là, il me dit, bah, il crée 6 colonnes parce qu'il y a 6 lignes. Enfin, parce que la ligne qui a la plus haute valeur ici, c'est 6. Donc si je prends 2, bah, il va me créer 5 lignes. Ici, je mets 1, je n'aurai plus que 3 colonnes, pardon.
Et du coup, ça fonctionne plutôt bien, c'est entièrement dynamique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire dans chacune des cellules de ce tableau qui est créé par un maker array et un lambda, je vais écrire par exemple uniquement le numéro de la colonne, donc c. Donc c'est-à-dire que ma valeur dans lambda, et mon lambda c'est mon lambda du maker array, j'écris simplement c. 1, 2, 3, 4, 5, c, c'est le numéro, c'est le nom de la colonne. Du coup, ça fonctionne. Là, je vais lui écrire par exemple, plutôt que c, je vais lui écrire facture et c. Facture 1, facture 2, facture 3, facture 4, facture 5, facture 6 pour chacune des lignes et chacune des cellules qui sont ici. Donc, c'est pas du tout parfait, hein, il me manque encore plein de trucs, mais ce que je vais lui dire maintenant, c'est que je vais vouloir écrire. Donc, par exemple, si j'écris L et T, avoir 1, facture 1, 2, facture 1, etc. ici. Et donc, je vais lui écrire ici pas L, mais index dans A de ligne L. Et juste ça, normalement, c'est bon. Je fais ça. Alors, non, il veut que je lui donne un numéro de colonne. Donc là, j'ai client A facture 1, client B facture 1, et puis ici, je passe à client A facture 2, client B facture 2. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est qu'entre les deux, je vais mettre un caractère que je vais réutiliser plus tard. Donc là, je vais mettre une barre verticale comme ça, ce qui va me permettre de pouvoir facilement dire bah, maintenant, à chaque fois qu'il y a ça, je veux créer deux colonnes. Donc je fais ça pour l'instant. Et il va falloir que je lui dise qu'on écrit facture 2, facture 3, facture 4, que si le nombre de la colonne, que le nombre qui est dans chacune des lignes dans cette colonne-là, il est bien inférieur à la colonne dans laquelle on travaille. Donc en gros, je vais faire une fonction si, en disant si c est inférieur, par exemple, ou égal à quelque chose, je vais mettre comme ça, alors on met ça, sinon on mettra juste un petit x ou un tiret. Je vais faire ça, donc je vais faire par exemple si c'est inférieur ou égal à 3. Alors j'ai raté quelque chose, ça m'arrive, je vais refaire si on va faire c est inférieur à 3, je mets ça. Sinon, je mets intérêt. Hop. J'avais pas besoin de ça. J'avais mis une parenthèse au mauvais endroit, c'est pas. Donc là, je lui dis si c'est inférieur ou égal à 3, mets intérêt. Si je lui dis c'est inférieur à 5, enfin, mets pas d'intérêt, sinon tu mets intérêt. Si je lui dis c'est inférieur ou égal à 2, il va me remplir que la première colonne. Et donc ça, évidemment, ça va dépendre de index, donc de la valeur qu'il y a ici, donc de index dans B de L. Hop, je mets 1. Donc là, ça veut dire que ici, alors je vais mettre 1 inférieur ou égal. Donc pour le client A qui a deux factures, il y a marqué client A facture 1, client A facture 2, et ensuite des tirets. Pour le client D qui a plusieurs factures, 5, bah, ça va jusqu'à la cinquième. Donc là, c'est parfait, et puis ce que je vais faire moi maintenant, c'est de lui dire, bah, je vais mettre ça dans un dans col. Dans col, donc ça va me créer une seule colonne à partir de ça. J'ai une seule colonne où il y a soit quelque chose d'écrit, soit juste un tiret. Alors ce tiret, à la fin je vais le supprimer, mais pour l'instant je vais dire que je vais filtrer ces valeurs-là. Donc j'ai toutes ces valeurs-là, et je vais filtrer ces valeurs-là. Ça, à chaque fois que c est différent d'un tiret. Donc là, il m'a mis autant de lignes ici qu'il y a de la somme de tout ça. Donc si évidemment il y avait marqué 1, 1, 1 et 1, j'aurais que 4 lignes, une pour chaque facture. Et puis si c'est 1, 1, 1, 5, bah, ça fonctionne bien. Donc j'ai une ligne qui dépend de ça. Évidemment, si c'était 18, bah, j'aurais plus de factures, plus de lignes. Donc on a quasiment fini. En vrai, là, ce qui va nous rester, je vais agrandir ça, ce qui va nous rester, c'est de dire que. Alors, ce qui va nous rester, on va le faire comment? On va le faire.
On va dire que ça, c'est égal à D. Et du coup, hop, D. Donc, je vais créer une nouvelle variable dans ma fonction let. Et maintenant, je vais lui dire de prendre le texte qui est avant, donc texte avant, dans D, le texte qui est avant ce symbole-là. Donc là, il me prend seulement les noms des clients. Et je pourrais lui dire de prendre le texte qui est après, évidemment. Et il me prend seulement le nom des factures. Et du coup, moi, je vais combiner les deux. Je vais avoir un texte avant. Et je vais prendre aussi le texte après. Je vais faire par exemple ça. Alors évidemment, ça ne servira à rien si je mettais juste ça. J'aurais la même chose que ce que j'avais avant, moins ce truc-là. Mais je vais mettre ces deux trucs-là dans une fonction assemble h qui va créer une colonne dans laquelle il y aura ce qu'il y a dans le texte avant et créer une colonne dans laquelle il y aura ce qu'il y a dans le texte après. Donc je fais ça. Et là, j'ai ma liste de tous mes clients répétée autant de fois qu'il y a de factures et de mes factures numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. J'ai un peu trop de caractères. Je voulais en avoir 194, j'en ai un peu trop. Je vais retirer déjà ça et ça. Du coup, j'en ai plus que 197. Et puis, je vais inverser un peu l'ordre ici, histoire de gagner deux caractères. Je vais dire si c'est supérieur à ça, tu mets rien. Sinon, tu mets ça. Donc, j'inverse juste un peu l'ordre. J'ai 194 caractères et je pense que je peux supprimer, il me semble, peut-être ça quelque part. Voilà, 194 caractères. Et il est encore possible, bien entendu, de gagner quelques caractères à différents endroits. Je ne vais pas le faire là, histoire d'avoir que vous ayez bien cette démarche-là que moi j'ai, qui, bien sûr, il y a moyen de faire plus court, notamment dans ce challenge, mais qui n'empêche que ça permet totalement de résoudre étape par étape, et on aurait pu faire beaucoup plus complexe de cette manière-là, le problème qui était créer autant de lignes que de factures pour chaque client. Donc, créer deux lignes pour le client A avec facture 1, facture 2, etc. Donc ça va bien fonctionner. Je réduis ça, j'ai ma facture, elle fait 194 caractères, et c'est pile ce qui était demandé. À bientôt pour une prochaine vidéo.